Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Infinite Warfare en mode zombie sur la map Shaolin Shuffle. Alors cette vidéo consiste à vous présenter comment améliorer les compétences Shaolin. Et en même temps je vais vous expliquer comment obtenir le trophée compétence Shaolin qui est très simple. Il suffit juste d'avoir toutes les compétences terminées. Donc moi il m'en reste plus qu'une à faire, c'est celle de la grue. J'ai fait celui du serpent, du tigre et du dragon. Donc maintenant il ne manque plus que celui de la grue que je vais faire avec vous. Donc tout simplement, je vais passer la manche. Quand j'aurai fini les 4, eh ben, je pourrai prendre, je gagnerai le trophée directement. Alors, donc là je dois attendre que la manche passe, voilà. Hop, je prends le style de la grue. Et là surtout, je fais super attention parce que je suis à la manche 26 déjà de 1. De 2, premier truc c'est de. En haut à gauche, vous avez vos défis. Donc il est marqué tuer 15 zombies au corps à corps avec la grue. Donc là j'en ai déjà tué un. Donc tout simplement pour réussir cette étape à la manche aussi élevée que je suis, surtout ne jamais foncer dans le tas. Voilà, vous tournez en rond et vous les tuez un par un. Si vous foncez dans un tas comme ça, vous risquez de mourir. Donc moi je peux pas le faire. En plus j'ai plus de quick revive. Par contre là, voilà, je tourne en rond. Oh, j'ai eu upgrade d'arme. Ok, nickel, parfait. Donc je tourne en rond et je les tue un par un, parce que sinon ils vont réussir à me défoncer si je fonce dans le tas. Voilà, hop, hop. Ce qu'il faut savoir c'est qu'avec les ninjas que vous voyez, bon, parfois il y a des ninjas qui apparaissent, surtout après la manche 20. Et ben votre compétence Shaolin le tue en un coup, que ce soit un coup comme ça ou avec les shurikens, vous les tuez en un coup. Que si vous les tuez avec les armes, les ninjas respawn, donc ils disparaissent puis respawnent un peu devant vous et franchement ils sont assez balèzes. Hein. Voilà, regardez ce qui s'est passé. J'ai failli me faire tuer tout simplement parce que voilà, j'ai fait un corps à corps. Donc quand vous faites un corps à corps contre un zombie, eh ben il se rapproche et il se colle au zombie. Donc si je me colle là, c'est sûr, je suis mort. Donc là, ce que je vais devoir faire, ben, c'est essayer de les disperser. Donc en faisant des trucs comme ça. Hop. Voilà. Là il est tout seul. Voilà. Donc c'est galère. Donc moi ce que je vous conseille c'est de faire tous vos défis, parce que vous pouvez les échanger à tout moment. Donc vous faites tous les défis corps à corps comme ça. Donc le niveau 1 au début. Puis après vous le faites. Vous faites le niveau 2 après. Puis après vous faites le niveau 3. Mais bon voilà, faites pas comme moi parce que sinon c'est galère. Alors voilà, le niveau 1 est terminé. Donc maintenant il faut que je fasse le niveau 2. Donc c'est tuer 25 zombies avec les shurikens. Donc je maintiens mon... Donc c'est R1. Mais si vous maintenez R1, ben vous voyez que mon shuriken va faire plus de dégâts. Et vous voyez même qu'il s'illumine en bleu. Voilà. Donc là je vais faire les 19 kills. Parce que là c'est facile hein. Donc là, ah oui, le truc, donc mon kung fu est terminé. Donc ce qui est bon à savoir c'est que genre toutes les 5 minutes, toutes les 3 ou 5 minutes, vous pouvez vous rééquiper dans la même manche, vous pouvez vous rééquiper du kung fu. Donc c'est vraiment bon à savoir. Donc si je veux, ben, je tourne pendant 30 minutes comme ça, 3 minutes comme ça ou 5 minutes comme ça, et puis après je pourrai récupérer et continuer mon défi. Ou alors vous passez tout simplement la manche, et là quand vous passez la manche, vous pourrez à chaque manche récupérer votre kung fu. Donc voilà, la manche vient de finir. Là, je vais pouvoir récupérer mon Kung Fu. Et directement, dès que je le récupère, pour pas perdre de temps, je m'en équipe directement en faisant flèche de droite. Hop, flèche de droite, direct. Donc, ce qui est bon à savoir aussi, c'est que dans la map, il y a tout plein de petits trucs comme ça. Donc, vous pouvez récupérer votre compétence Kung Fu à plusieurs endroits différents. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de paquer hein, pour que vos shuriken soient efficaces et que vous vous retrouvez pas bloqué avec des zombies. Je vous conseille aussi de venir faire votre compétence ici où je suis, donc au repère du boss, car c'est fort espaceux et espacé, et donc c'est plus facile à faire le défi. Donc voilà, là j'ai fini, il suffit juste d'un. Voilà, maintenant je débloque le niveau 2. Donc maintenant que j'ai débloqué le niveau 2, je peux appuyer sur L1 pour faire une nouvelle attaque, et je dois tuer 50 zombies avec cette attaque. Une petite information supplémentaire, quand vous êtes en chi, vous pouvez pas prendre de sac et vous pouvez pas prendre d'armes, je crois, ni d'atouts, ni de boîte à 10. Vous pouvez juste... Non, je crois que les atouts on peut.
Je sais pas, mais il y a des choses que vous pouvez pas faire quand vous avez le cheat. Mais bon, vous pouvez ouvrir les portes et tout ça, donc c'est déjà pas mal. Vous ne pouvez pas non plus utiliser vos pièges, mais je pense que vous pouvez réanimer vos potes. Et aussi, si vous voulez passer la manche assez rapidement, assez facilement, je vous conseille d'utiliser le piège ventilo que moi j'ai déjà utilisé, mais qui sera bientôt disponible. Donc il dure assez longtemps et c'est tout simplement le ventilo qui se trouve juste au-dessus de nous, et enfin juste au-dessus de moi, et franchement il est super efficace. Donc voilà, là j'ai fini, regardez, hop, je fais le pouvoir du chi et voilà, là je vais débloquer le troisième niveau. Et donc normalement j'ai débloqué, vous débloquez le trophée, donc je vais vérifier parce que voilà, c'est bon, je l'ai reçu. Compétence Shaolin, donc trophée obtenu. Donc voilà, j'espère que... Donc je vais vous montrer un petit truc supplémentaire. Je vais juste garder un zombie. En fait non, il n'y a même pas besoin de garder un zombie. Regardez, parce qu'en fait, il respawn pas. Il respawn jamais, vous pouvez les faire voyager dans toute la map, il respawn jamais. Donc en fait, quand vous avez votre compétence Shaolin au maximum, donc le cygne ou le serpent ou le tigre ou le dragon, il y a un emblème, donc je sais pas à quoi il sert, mais regardez juste en face, ici, hop, voilà, là c'est la panthère. Ouais, donc il y avait une petite tache mauve devant la panthère, et vous pouvez tous les récupérer, donc les 4 joueurs peuvent les récupérer, mais il faut avoir son chi au maximum. Donc voilà, une petite information supplémentaire qui pourrait vous servir, je sais pas, voilà, je dis le maximum de choses que je connais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les photos. Allez, ciao, peace.